Donc bah là on est je suis perdu. Donc je suis arrivé hier soir, donc on était mercredi hier. Donc là on est jeudi. Donc je suis arrivé hier soir à côté de Bordeaux, là chez mon client, il était 22h30, donc j'ai coupé 9h. J'étais me présenter ce matin à 7h30 et il y avait déjà un camion à quai. Donc je me suis mis à quai, c'était 8h30. Et là il est 9h40 et je m'en vais. Je viens de finir de vider. Et là, je vais au deuxième à Arcachon. Bon, Arcachon, c'est pas très loin. Je sais plus, il y a 60 bornes, je crois. Réfléchissons, c'est là-bas. Il y a 60 bornes et puis faut une petite heure, quoi. En camion. Et puis après, je serai vide. Donc voilà, quoi vous dire, pas grand-chose. À part que ça pourra trop mal été ce matin. Parce qu'à la base j'avais rendez-vous à 9h. Mais vu que j'ai rendez-vous à 9h à Bordeaux et j'ai rendez-vous à 10h à Arcachon, c'est un peu compliqué sinon quoi. Vu qu'il faut déjà une heure entre les deux, le temps de vider et puis le temps de faire ce qu'on a à faire. Donc j'ai préféré y aller un peu en avance. De toute façon j'étais garé juste à côté, donc j'ai pas bougé le camion. J'ai pas bouffé d'amplitude. Et puis voilà, une fois que c'était mon tour, je me suis mis à quai et puis j'ai vidé. Et là, je m'en vais. Allez, je vous reprends plus tard. Bah là il est 11h, je suis arrivé chez mon joli patrol. Il est 11h, je suis arrivé chez mon client à 10h30. J'avais 2 mètres de plancher pour eux, j'ai vidé et là je suis reparti, je recharge au nord de Bordeaux, même bien au nord de Bordeaux. Je suis à 130 km, donc je vais y aller. Faut falloir que je coupe aussi, t'as les belles bagnoles là, Skyline. Il va falloir que je coupe 45, non, il va falloir que je coupe un quart d'heure. Je vais aller boire un café vite fait et après je remonte là-haut et comme ça j'y serai pour 13h, ça sera très très bien. Donc je recharge pour le 21, normalement pour le Honvi. Il y a quand même des jolies bagnoles là, dans le coin, là, Arcachon. Il y a un peu de monnaie quand même, hein, parce que il fait 3-4 Jaguars que je vois déjà là. Il y a des trucs sympas, mais c'est une très très jolie région. J'aimerais bien d'ailleurs, enfin, quand on voit pour venir en vacances dans le coin, ça changerait un peu du sud. J'aimerais bien venir découvrir un peu plus que uniquement venir pour livrer quoi.
Allez, sur ça, je vous reprends plus tard.
Donc là, je viens de m'arrêter de faire mon plein à Moulins, à la S24, à Limoulins. Ça va pas mieux. Laurent, t'es pas dans la bonne ville. À Limoges, la S24. Et là, il y a toute une file de camions, ça avançait pas, que ce soit sur une piste ou l'autre. Donc la piste de gauche, eh ben, il y a quatre pistes quand même. La piste de gauche, le mec était en coupure, donc il voulait pas avancer. La piste de le mec où j'étais juste devant moi, le mec est en train de manger une salade au volant. Donc je peux vous dire que la salade, il l'a rangée très vite. Les mecs, ils sont en coupure dans les pompes, alors qu'il y a des mecs qui attendent derrière. J'arrive pas à comprendre quoi. T'essayes de faire une coupure, ça m'arrive des fois, moi. J'essaye, tu dis bon, bah, je vais faire un quart d'heure. Il arrive personne, il y avait personne, mais là il y a du monde derrière. Et l'autre était tranquille en train de manger sa salade. Et il a vu que je gueulais, il était pas content. Mais bon, il n'est pas descendu hein, parce que je pense qu'il a vu qu'il fallait pas me chauffer trop. Belle mentalité. Bon, enfin, il n'y avait pas de français hein, dans ceux qui étaient en train de me faire foutre le bordel. Mais bon, des fois c'est bien des français aussi. Hein, ça. Mais là il m'a gonflé quoi. L'autre avec sa salade, tranquille en train de bouffer. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Ouais, je comprends pas, non, je comprends pas. J'y ouvre ta fenêtre ou descends, puis tu vas comprendre quoi. Putain, y a vraiment des cons, je vous jure. Hein. Alors, on va encore dire genre tout le temps. Allez, à plus! Donc là on est en direction de Digoin et on peut pas doubler et il y a un blaireau, ça va faire au moins 20 bornes qu'il est à mes portes. Donc voilà. Et en plus il lui manque une veilleuse à droite, il n'a pas de. Et le mec il est collé à mes portes. Et après on se dit qu'il y a des accidents sur la RCA. Mais putain mais ça lui avance à quoi là? Vous voyez? Il est collé à mes portes. De toute façon il peut pas doubler. Donc qu'il soit 100 mètres derrière. Ou à coller à mes portes, ça change absolument rien, sauf que il se met en danger lui, il me met en danger moi. Donc ça c'est le genre de truc qui me casse les couilles. Voilà. Il y a vraiment des gros blaireaux sur cette putain de route quoi. Donc là il est 7h30, je repars du dépôt, je monte livrer à Dijon. Je monte livrer à Dijon et après je ne sais pas où je recharge. Donc là, il y en a pour 2 heures, donc je vais arriver à 9 heures et j'avais rendez-vous à 7h30, 8h. Créneau, c'était de rendez-vous. Et on peut pas faire autrement, on peut pas aller plus vite que la musique, on peut pas arriver avant d'être parti. Donc, ben voilà. C'est pas grave, hein, ils vont attendre, hein, puis c'est tout. Puis s'ils prennent pas, ben ils prennent pas. Hein. Putain, il y a lourd, là, il y a 29 tonnes là. Allez, je vous reprends plus tard. Now I need a miracle.
Don't let me down, don't let me down, down, down.
Donc là il est 11h et je viens de vider à Dijon, j'ai vidé et là je descends charger à Chalon-sur-Saône. Sauf que je vais arriver, ça va être midi, puis ça va être fermé. Donc on va attendre, je sais plus si c'est 13h30 ou 14h. Et puis voilà. Donc je vous en dirai plus plus tard. Voilà, voilà. Donc bah là il est 15h et j'ai chargé chez mon client, là j'ai chargé quasi complet. Je suis arrivé à 13h mais ils ouvrent pas avant 14 forcément. Je croyais qu'ils ouvrent à 13h30, donc j'y étais à 13 et puis en fait ils ouvrent à 14 quoi. Puis, je me suis mis à quai, puis ils m'ont chargé et là je redescends à Digoin et puis j'ai fini ma semaine. Normalement on doit rajouter un colis au dépôt pour lundi matin. Et puis voilà. Donc je pense que je vais pas vous reprendre d'ici le dépôt. Donc je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à disliker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Bye!